Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la journée commence mal. On est en concours aujourd'hui, si on y arrive, c'est-à-dire que... J'attends que la voiture passe. Pour vous faire court, pour que je rentre voir les chevaux au pré, il y a un portail qui est électronique, qui soit s'ouvre avec une télécommande, soit j'appelle un numéro, ça ouvre le portail. Ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Donc il est 11h33. On est censé partir à midi, il faut que j'appelle les chevaux. Hier en plus j'ai laissé le Grand Prix ouvert parce que je me dis on est large dans le temps. Sauf que pour l'instant je ne peux pas accéder au pré. Et au pire je peux sortir les chevaux mais je peux pas accéder à mon vent. Est-ce que c'est pas la merde? Est-ce qu'on commence pas la journée pas très bien? Sachant qu'en plus aujourd'hui est un grand jour pour Quantum parce qu'on l'emmène en concours avec nous. Parce que ce soir on l'envoie en clinique. Vous savez, pour sa castration, qui sera mercredi, mais il faut que je l'emmène aujourd'hui. Bref, je sais pas comment ça va se finir cette histoire, je vous tiens au courant. Update de la crise, on est dans l'entreprise mais on peut toujours pas faire passer la voiture. Donc là l'idée, on est censé partir dans 10 minutes, mais on partira pas dans 10 minutes. L'idée c'est que les chevaux arrivent pour qu'au moins les chevaux soient prêts et que après j'ai plus qu'à embarquer et partir. Mais les chevaux là ils sont dans le grand pré donc c'est la merde, c'est la grosse merde. Hop. Bon, enfin on est en retard, mais on est venu nous sauver de portail. Je suis désolée Saf, c'est dans la précipitation et tout. Allez. Allez. Oui, t'as le filet à foin dans la tête. Bon, on est parti. On a quoi, 15 minutes de retard je crois sur notre heure prévisionnelle. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Nathalie, j'ai dit que t'étais mon Jiminy Cricket et ça commence mal cette journée. Heureusement les chevaux montent bien dans le vent, donc déjà c'est une bonne chose. Mais écoutez, le GPS nous dit qu'on arrive à 13h07. Tout à l'heure c'était 6 mais avec le vent mais. Dans 600 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie sur avenue de la Barde. Il y a des flics et je suis en train de filmer. du coup je disais quoi? Que oui, ils disent 13h07 et qu'on rajoute en général un quart d'heure. Je vais arriver à la fin de la reco. S'ils sont à l'heure. Potentiellement. Écoutez, je vais peut-être faire une reco en bord de piste. On verra. On se retrouve tout à l'heure. Bon, on est arrivé, on est à l'heure, donc ça c'est plutôt chouette. Et du coup, Quantum découvre la joie des concours. Dans plusieurs années, mon pio. On va pas te taper en haut, mais je vais aller te mettre au box, je pense. Et ça fout, bah tranquille. Hein. On est sage. On a fait une mission Quantum au box. C'était sport. Comment vous dire, bah il s'est un peu levé, il voulait se barrer, il m'a un peu traîné. Parce qu'en fait il a fallu qu'on passe dans le paddock avec les chevaux qui détendaient. Et ça c'est beaucoup de choses pour Quantum qui a déjà pas l'habitude. C'est sa première vraie sortie avec plein de chevaux. Alors il y a Saphir hein, qui nous a accompagnés heureusement. Mais l'animal est chaud. L'animal est très chaud. Du coup il va rester au box toute la journée et bah, ça va être marrant quand on va le rentrer ce soir. Moi j'ai fini la reco et je pense que ça va être chouette. C'est à dire que là, la semaine dernière, je me plaignais qu'il n'y ait pas d'option à prendre. Là les enfants on va jouer. Ça va être cool. Bon, nous on... Il y a un cheveu. Bon, nous on est en train de manger, c'est un peu la merde parce que Saphir et Quantum font que s'appeler. Donc j'ai remonté Saphir dans le vent. Alors que tout à l'heure ils étaient sages. Et au moment où on est revenu... C'est Bagdad. Là, il y a le premier en piste. Et après, il faut que je m'active. Enfin, je suis numéro 27, alors j'ai le temps, mais bon. C'est histoire qu'il n'y ait pas de cailloux. À quel moment je mets de la mouroute alors qu'elles vont être dégueulasses? En
Laisse-moi spawner tranquille, tu vas pas lui mettre en coup de fesse quand même. Je peux enlever là. Bon, clairement, ça fait insupportable. Il a pété la corde, la ficelle où il était attaché. Et du coup, heureusement qu'il y a Nathalie, hein, parce que toute seule, ça aurait été très compliqué. Elle est où, maman ? Très bien, ça. Oui, non. Attention. C'est très très bien. Oh, il est trop bien. Très bien ça. Oui. Très bien. Très bien, minute. Non, allez. Allez. Doucement, doucement, doucement. Oui, très très bien. Allez, Minos! C'est pas grave! Il est comme penché encore plus, tiens. C'est bien! C'est très très bien. Très très bien. Oh, c'est bien. Oui, la carotte après. Après, merci. Au.
C'est très très bien. A few moments later. Bon, on a amené Safou qui est dans une position, ma foi, au top du top là. On va le mettre au box avec Antoum le temps que je brosse le petit. Ça va Minous? Pas trop dur? T'es content d'avoir retrouvé ton enfant? Et mon Piou? Ça va? Ça a l'air d'aller lui hein. Ah, et du coup, pendant le cours de la club 1, même la club 2, ils se sont appelés une fois. Mais je suis très contente de Saphir, malgré le stop qui est à 1000% pour moi. Mais non, je suis très contente, il a été hyper chouette. En plus, j'ai joué coûte que coûte les options et tout est bien passé. Et cette petite chose a l'air de bien aller. Donc là, je vais le brosser un petit peu et après, on ira direction la clinique pour le déposer pour sa castration. Et voilà, ça va faire bizarre de plus avoir au pré là pendant quelques semaines. Bon, du coup, j'ai mis... Bah, Quantum ! Mauvaise idée. Hyper pas le nord, il va bien. J'ai mis les deux box là, le temps que j'aille régler la location du box. Regardez mes petites photos parce que j'ai une photo gratuite puisque j'ai gagné la club 2. Enfin, avec Safou, bien sûr. On vous laisse là, les garçons ? À tout à l'heure. Je vais peut-être enlever l'école de ça, finalement. Parce que j'ai pas confiance en vous. Bon, du coup, on a brossé le poney. Il est prêt à repartir. Ça fout et insupportable. Mais il a été mignon là, donc on a brossé. Les garçons sont très bien montés, encore une fois. Franchement, Quantum, très très bien, je suis vraiment contente. Autant tout à l'heure, c'était sport pour l'amener jusqu'au box, mais là, rien à dire. Vamos la clinique. Ciao les balls. On est actuellement en direction de la clinique. Est-ce qu'on en parle des routes qui me fait prendre? C'est un enfer. Moi, je pensais que ça allait être de l'autoroute. Ben non. Vous avez vu, il y a des vignes, et il y a encore des vignes. Merci le sable du Sahara, là, pour l'état de mes vitres. Alors, est-ce qu'on peut nous applaudir? Parce qu'il nous avait dit à 18h à la clinique, et à peu près dans 10 secondes, on est devant le portail. Franchement, on est doués. Et c'était pas gagné d'avance, vu le début d'après-midi. Mais on l'a fait. On touche à la fin de cette journée éprouvante, quand même. Hein. Bon, ben on est arrivé. Il faut que j'emmène le piou de l'autre côté du bâtiment. Donc c'est ce qu'on va faire. Bonsoir vous. Ah oui, est-ce qu'on est... Ah, tu reconnais ici? On était venu une fois pour ce petit œil là. Minou, tu vas dire au revoir à ton fils, à ta glu, à ton relou de service. Oh, il s'est encore tapé la tête. Regardez la mignonitude ici. Trop mignon. Piou piou. Quantum! À mon avis, oui, parce qu'il va devoir être agent, donc ça, ça va être pour lui. Ça va, mon poney? En voyage. Ah, non, mon gars, tu vas pas partir. Ça va? Parce qu'il est grand ce box pour toi, mon chat! Où est-ce qu'on est là? Oh là 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 là! Oh là là, ça a de l'inquiétude ici, hein! Bah oui! Bon, petit chat! Du coup, je vais assister à ta chirurgie. Je vais te voir comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Bon, on va te laisser tranquille parce qu'il faut rentrer le Safou. On dort bien, on fait ses devoirs et on est gentil. Ok? Doucement. Et on sort pas. Ok? Mon Minous, on a déposé l'enfant. Bah oui. Allez, on rentre nous, on a des soins à faire. Bon, par contre, j'avais faim parce que du coup j'avais pas beaucoup mangé tout à l'heure. Vu que Safou était très en forme. Et du coup là je suis en train de manger. Et après on... Ça c'était Saphir. Et du coup je mange vite mon flan et après on se casse. Parce qu'en plus Safou, faut que je lui mette de l'argile et tout. La journée n'est pas finie, les enfants. Bon, bah ça y est, on est arrivé. Je vais du coup lui passer un petit coup de brosse, lui mettre de l'argile. Et puis voilà. Et du coup, moi, je vais arrêter la vidéo ici, parce que de toute façon, il va se mettre à faire nuit. Donc voilà. Et vous l'avez vu sur le dernier concours quand j'avais mis de l'argile. Donc je vais pas vous le remontrer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de Saphir, encore une fois. Malgré le stop qui est à 1000% de ma faute. Et la barre, j'avais qu'à pas tourner. Et voilà. Mais non, je suis très contente. Et puis voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.